Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Nous avons encore le privilège de nous réunir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, béni soit le nom de l'Éternel qui nous a encore fait la grâce de nous réveiller en ce matin du 29 octobre. Béni sois-tu, ô Éternel Dieu, pour cette grâce, ce souffle de vie que tu renouvelles en nous, d'avoir également renouvelé les battements de notre cœur. Nous te disons merci. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, aujourd'hui nous allons méditer le psaume et prier avec. L'Église nous propose ce psaume. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alors en ce matin, je t'invite tout simplement à disposer ton cœur afin de recevoir la plénitude de l'amour émanant du Saint-Esprit. Ce merveilleux Saint-Esprit qui est également le trait d'union d'amour du Père et du Fils. Les textes de ce jour, la première lecture, l'Église nous invite vraiment à aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église. En ce matin, Père, je te confie tous les couples en difficulté, tous ceux qui ne ressentent plus cet amour, Seigneur, qui les animait au départ. Qu'il te plaît, Seigneur, de réconcilier les foyers, ceux-là qui ne parviennent plus à se mettre ensemble pour prier ensemble, ceux-là qui ne s'entendent plus. Je te prie sincèrement, Père très saint, au nom de Jésus, de toucher les cœurs, afin que comme Christ a aimé l'Église, nous, hommes, nous puissions aimer nos femmes, et également mutuellement les femmes puissent aimer les hommes dans l'immensité de ton amour. Comme toi-même, aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Seigneur, fais-nous redécouvrir la dimension sacramentelle du mariage, afin que cette notion que nous avions perdue, ô Dieu, nous soit redonnée par la puissance du Saint-Esprit. Donne-nous de nous aimer encore et encore comme Christ a aimé l'Église. Avec nous,
Alors mon frère, ma sœur, écoute ce message. Christ nous recommande de nous aimer les uns les autres. Surtout d'aimer nos femmes comme lui, il s'est sacrifié et s'est livré pour l'Église. En cela doit ressembler notre amour également pour notre prochain, pour notre femme. Que le Saint-Esprit nous redonne un cœur plein d'amour. Un cœur qui peut voir le frère et voir Jésus-Christ en ce frère. Et c'est pourquoi, en ce matin du 29 octobre, je prie sincèrement le Saint-Esprit pour qu'il fasse descendre, qu'il fasse un dépôt de son amour dans les cœurs de tout homme, pour que nous puissions redécouvrir cette sacralité du mariage et glorifier le nom de l'Éternel au sein de nos vies conjugales. Ainsi nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée bénie dans le nom glorieux.